La vie est belle. Ah ouais. Des conneries. La vie, des fois, elle est pas belle du tout, j'aime autant te le dire. Ouais, mais faut se forcer un peu. Ouais. Je t'emmerde. Pas autant que moi. Je t'en foutrais de l'amabilité, moi. Ah merde. Où ça va aller? Oh, ça va? Non, mais j'hallucine. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ils t'ont pas arrêté aux urgences, hein? Je suis même pas allée, j'ai presque plus de fièvre. Regarde, touche. Ah non, non, moi je suis plus infirmière. Hein. 7 jours de plus, j'arrête. Hein. Vraiment, t'es con, t'es méga con. Hein. Quand on a un furon gros comme ma pomme, ben on le fait soigner. Mais j'ai trop de travail. Hein. J'ai des greffes sur le dos, j'ai tout à faire là. T'as surtout une sainte frousse de l'hôpital. Mais pas du tout. Si. Mais je suis pas malade, je vais à l'hôpital quand je suis malade. Si j'avais un cancer, j'irai à l'hôpital. Là, je vais pas y aller pour un bouton dans le cul avec un peu de pu. Ah, on parle de moi là. Ouh, ouh, ouh. Quoi? Attention, attention. Quoi? Mais il a raison, Fred. C'est pas la peine d'aller à l'hosto pour soigner ça. Bah, ma grand-mère, elle m'a appris comment fallait faire. Oh, je vais pas aller à la clinique pour un petit bouton aux fesses quand même. Voyons, c'est super simple en plus. Hein. Ma grand-mère, elle avait le don. Alors elle. Ah non! Non, non, je veux pas savoir. Je te crois d'ailleurs et je te le laisse. Mais c'est ça. Et puis moi, laisse-moi aussi. Et puis oublie-moi pendant quelques jours. Un peu d'eau chaude. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te le faire à la bretonne, tu vas voir. Ma grand-mère, elle disait toujours pas de pitié avec le pourri. Alors tu vas faire le signe de croix à l'envers et de la main gauche et tu vas voir, ça va sortir comme par magie, hein. Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Ça va pas ou quoi? Bah, t'as pas les jetons, Vévert, quand même. Mais si, j'ai les jetons, tu t'es vu avec ton couteau, ton eau chaude, là? Où est-ce que t'as appris à faire ça en plus? Bah, à la ferme, ce bonne père! Sur les moutons surtout, tu verrais les kilos de pu que j'ai fait jaillir. Allez hop, avance! Mais ça va pas, je suis pas un mouton, j'y vais pas. Mais Vévert, tu vas pas te dégonfler. Non, j'y vais pas. Mais... Ah bah, non. Là! Allez, allez, arrête! Attends-moi deux minutes, hein, Vévert, hein? Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'avais oublié de faire le plein, on va pouvoir y retourner, mon petit Vévert. C'est un furoncle? Ah ouais? Ouais? Mais c'est pas comme sur les moutons? Bah, c'est-à-dire qu'en Bretagne, on incisait tout de suite, on laissait pas l'affaire se développer comme ça, tu vois? Ah ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as au cul, ta troisième fesse? Grosse semaine? 15 jours? Ah ouais? Ouais. Ah bah, c'est normal alors, hein? Bon. Allez! C'est vrai qu'il a beaucoup grossi ces derniers temps-là, hein? Oh, je me sens pas bien, je me prends un petit café. Moi non plus, bébé. Allez, faut y aller maintenant. Oui, une seconde. Jean-Claude? Ah! Ah! Jean-Claude, qu'est-ce que tu. Ah, je peux pas me baisser! Quelqu'un au secours! Jean-Claude! Ah, je peux pas me baisser! Jean-Claude, réveille-toi! Ah! T'es de retour! Ça va? Ah, ça va mieux, ouais. Ils m'ont enlevé un truc énorme, hein, quand même. Moi, je suis content, je vais bien. Toi, mais Jean-Claude, il est où? Ah, mais Jean-Claude, il est resté. Ils lui ont fait des analyses, il n'arrive pas à se réveiller. Non, c'est grave? Non, on sait pas. Il est tombé sur un médecin breton très sympa, là, qui lui a remis un peu de sang dans son alcool. Dis-moi, Fred, tu pourrais me prêter un de tes strings, là, parce que la cicatrice est assez mal placée. Et... Attends, moi j'ai un petit cul, t'as un gros cul. Non, j'ai beaucoup perdu, là. Je peux pas aller encore, mais...